C'est parti pour le chantier du futur parc des étoiles au Val-de-Laurance. Un projet piloté par la ville de Limoges. On avait dessous des matériaux qui étaient des matériaux de déconstruction des tours, donc qui ont servi de support déjà avec un pré-modelage des terrains. Donc là, on est en train de trier à peu près les matériaux, de rassembler la terre végétale, de revégétaliser partout. Donc c'est vraiment le gros travail. Le travail de la maîtrise d'œuvre a été de trouver, tout en jouant avec la topographie actuelle, des cheminements qui permettent déjà l'accessibilité PMR, ce qui n'est pas évident, puisqu'on a en gros, entre la partie haute du terrain et le bas, on a jusqu'à 17 mètres de dénivelé, donc ce qui est très important. Donc on a un cheminement qui est organisé et qui permet d'accéder partout. Donc on voit sur la partie haute, là-haut, à l'arrière de moi, le futur terrain de sport, Hat-Trick, en synthétique, qui, si tout va bien, devrait être livré, c'est un des objectifs fin novembre, déjà, pour qu'il puisse être utilisé avec un cheminement à l'arrière qui permettra une continuité piétonne sur ce parc. On voit sur le côté également les formes des futurs jardins partagés qui, eux, bon, seront en activité forcément au printemps, puisque c'est un jardin, mais l'objectif, c'est que les habitants puissent déjà, avec une réunion publique qui a lieu semaine prochaine à la BFM, s'approprier ces jardins, venir voir comment ça va se passer avec des associations de support pour qu'ils puissent jardiner en plein milieu de leur quartier avec, dans un esprit convivial et sympathique. Très vite, les habitants ont été associés pour savoir un peu ce qu'ils voulaient. Donc l'idée, finalement, on est abouti vers un parc qui fait à peu près 1,5 hectare avec du multigénérationnel. Des jeux pour les tout-petits, des jeux pour les un peu plus grands, un terrain de sport qui va certainement connaître un succès avec les jeunes ados, des aires de pique-nique à l'arrière, des aires de détente, des jardins partagés, tout ça pour toutes les générations. Si les conditions météorologiques sont favorables, le chantier devrait être terminé au printemps prochain.